Salut, salut à tout le monde. Bon, cette vidéo, je la fais parce que j'ai beaucoup de parents dont les enfants ont des talents. Et vous avez négligé vos enfants, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que je parle souvent très peu des enfants ici, alors que c'est nécessaire. D'accord. Donc vous devez comprendre que votre enfant, c'est votre richesse. OK? Votre enfant n'attend que votre décision pour pouvoir exceller, on va dire comme ça là. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas ouvert la voie à ces enfants. Donc, partagez ma vidéo s'il vous plaît. Bonjour la reine Fatima. J'ai besoin de faire quelque chose ici. Voilà, bonjour la reine Justine. Bon, je vais d'abord demander l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir vous parler avec exactitude, que vous puissiez recevoir de la direction quand je parle aujourd'hui. Bon. Qu'on soit honnête les uns envers les autres, vos enfants réussiraient mieux si vous prédisposiez vos enfants à réussir. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez, vous êtes dans la diaspora. Allemagne, États-Unis, Canada, Belgique, France. Et vous avez accouché des enfants sur ce territoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez accouché des enfants. Et vous pensez que les démons qui vous ont bloqué ne sont pas derrière vos enfants. Je viens vous dire que vous vous trompez. Vous trompez. Vous me suivez? Je vois le nombre de personnes qui me disent, oh mon fils, il joue bien. Il joue bien. Il était même présélectionné dans son école pour jouer en deuxième division. Il a quel âge? Il a 17 ans. Tu es aussi là pour ça, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Vos parents ticones, maman ticone, papa ticone que vous avez eu, c'est-à-dire vos parents qui n'ont pas vraiment fait les efforts pour que vous réussissiez. Malheureusement pour vous, ils ont. De rien, la reine Marie Focam. Ils vous ont donné ce qu'ils connaissaient. Ce qui les a bloqués vous a bloqué. Ils vous ont passé. Il y en a parmi vous, vous avez des maris de nuit qui viennent de vos parents. Il y en a, ce sont des pactes que votre papa ou bien le père de votre père a signés. Ce sont ces entités-là qui viennent vous chercher. Tu es là aujourd'hui, tu es en Europe. Tu ne te maries pas. Parce qu'il y avait un pacte que ton grand-père avait signé avec quelqu'un au village, à Bouddha. Te voilà aujourd'hui. Tu vas avancer, mais tu n'arrives pas. Peut-être qu'il y avait des façons de penser qu'ils avaient, genre, une femme, ça doit toujours rester à la maison. Une femme, ça doit toujours. Il y en a parmi vous, vous êtes musulmans. Il y en a parmi vous, vous êtes d'autres pays. Ce n'est pas seulement les Camerounais qui me suivent.
Vous devez analyser et comprendre qu'il y a des choses que votre famille vous a passées. Et c'est ça qui te bloque aujourd'hui. Ça te bloque aujourd'hui. Tu es là, ta vie n'avance pas. Tu arrives, tu accouches. L'enfant étudiait bien, hein. Mais l'âge de 6 ans, il est devenu têtu. Tu crois que ton enfant est devenu têtu comme ça, là, du jour au lendemain? Oui. Il a dit quoi? Parce qu'on doit aller récupérer la dame. Je savais ça. Je sais. Tu dois avoir ton plan Z dans la vie, c'est là. Mais si. Ok, elle n'a pas pris de boîte. Demande-lui. Elle doit aller là-bas à l'usine pour la fabrication. Il y a beaucoup de choses à mettre en boîte là-bas. Tu as finalement pris les bouchons. Où est-ce qu'on avait les bouchons là? Mm-hmm. Oui, partez mettre dedans. Vous voulez mettre l'eau bénie. Il y a l'eau bénie à mettre. Il y a plein de choses à mettre dedans. Mm-hmm. Mettez seulement en petite portion. Faites seulement 20-20 de chaque truc. Je suis en direct donc, vraiment. Oui, dépose là-bas avec les reçus. Il y en a parmi vous, vous avez. Dans la nuit, vous ne dormez pas. Parce que il y a des entités. Quand ils te trouvent à Washington, ils te dérangent. Et parfois tu dors, tu te vois, on te tire, on te menace, on te poursuit. Beaucoup d'entre vos enfants ne vous disent pas ce qu'ils voient dans la nuit. Ils ne vous disent pas comment on les menace dans le rêve. Maintenant, vous devez... Larissa, je vais te bloquer, ne t'inquiète pas. Tu me demandes de te répondre. Donc, c'est ton bonsoir. Je vais te bloquer. Écoute-moi ce que j'ai dit, non? Tu n'as pas partagé mon direct, je suis sûr que tu n'as pas partagé. Tu vas dire que bonsoir. Vous allez voir qu'il y aura des périodes où l'enfant va changer. Tu amènes l'enfant au cours de natation. Le professeur de natation ou de truc de foot te dit ton enfant est doué. Tu en fais bon en informatique. Mets-le dans les cours de ceci. Tu vas voir comment ce que ça va donner. Après un moment, l'enfant commence à avoir mal à la tête. Après, tu restes, l'enfant commence à dire qu'il ne veut plus étudier. Parce que, comme on a dit que ton enfant est bien là, je vous écoutez, il y a des gens qui n'ont pas encore vu vos enfants avec les yeux. Mais ils ont le A1 de vos enfants. Ah, le donne-moi toi à travailler dans ta vie. 15 000 francs. Donc tu as remboursé ton... On a remboursé ton donne-moi toi que tu as acheté. C'est bien ça. Tu as ton enfant là-bas depuis l'enfant 5 ans, 10 ans. Tu n'es jamais venu au Cameroun avec ton enfant. Hein? Mais il y a les gens qui connaissent l'étoile de ton enfant. Parce que ton grand-père était censé être chanteur. On a tué. Ton père était censé être chanteur. On a tué. Toi-même. Il y a des choses que tu devais faire. Tu connais. Ouais. Vous vous connaissez, non? On te voit, tu es belle. Tu ne fais rien avec ta beauté. Tu mets seulement les photos sur Facebook, ça ne donne pas l'argent, rien. Tu avais un gars comme ça, même sorti la photo de nos. Même le boulot.
temps, tu restes comme ça là, tu sais que, tu sais, tu fais souvent les rêves, tu te vois bien habillé, tu te vois en train de chanter, tu te vois en train de, tu caches même ta voix. Tu ne veux pas que quelqu'un, tu caches, on ne sait pas que tu connais chanter. Ce qu'ils t'ont fait là, ils vont chercher ton enfant pour faire la même chose à l'enfant là. Bonsoir le roi Feuillot. Ah, c'est que vous souvent là, oh non, tu sais, on est déjà chez les blancs. Tu es chez les blancs, hein? Tu es chez les blancs, hein? À Lille. Tu dis, mais pourquoi? Tu as passé le permis même 5 fois. Tu es là, tu as fait les études d'infirmière, tu ne comprends pas. Dès que tu prends le cahier pour étudier, ici, derrière là, aïe, ça fait mal. Ne t'inquiète pas, on s'est occupé de toi. Maintenant, toi, tu es seulement là. Ah, peut-être que moi, je n'étais même pas censé faire quelque chose. Tu as seulement 38 ans. Bonsoir, le Wali de Mauritanie. Bonsoir, la reine Ericia. Tu sais que non. Moi, ma part est à finir. J'ai une femme en Côte d'Ivoire l'autre jour, je la consulte. Elle me parle de son fils qui avait 8 ans, qui voulait, mais il aime bien chanter, mais elle n'aime pas, elle veut qu'il soit banquier ou un truc comme ça là. Je dis que même à la chanson de ton fils, j'écoute. Je dis, qu'est-ce que tu sais que ton enfant, si, il devait percer dans la musique? Elle dit, mon père était chanteur. Moi-même, j'ai chanté, mais je n'ai pas, le diable a fait que j'ai laissé. Tu dis que, mais maman, pourquoi tu ne veux pas encourager? Pourquoi tu ne veux pas aider ton enfant? Et son enfant qui a 7 ans, elle a déjà sorti une chanson avec son frère là. Elle a déjà chanté 7 ans. L'enfant sait qu'elle sait que maman, je dois chanter. Il y a quelque chose en elle. Maman, je dois chanter. Elle m'a fait écouter la chanson que sa fille de 7 ans a enregistrée. Je dis que voilà un don qui est dans votre famille. Voilà ça. On a tué. Footballeur, je t'ai encore chez la représentante de Côte d'Ivoire. Un jeune homme entre, grande taille. Très mignon. Il avait peut-être 20, 21 ans. Je vois la plâtre à son pied. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu? En fait, j'étais en train de manger. I was minding my business, you know. I was just minding my food. Et ça me dit que demande à l'enfant là. Demande à l'enfant là. Que demande? Il me dit, en décembre, la voiture a cogné. En février, je dis qu'elle a fait l'accident ou quoi. À l'espace de 3 mois, il a eu 2 accidents qui ont touché ses pieds. Et il joue au basket. Il joue au basket. Vous voyez comment on organise l'enfant là? Vraiment, on a dit que vraiment les sélectionneurs, quand on le voit jouer, on me voit jouer, on me dit que je suis vraiment. Ouais. Mais bon, je suis en arrêt depuis 3 mois. Tu as 21 ans, tu joues au basket. Depuis 3 mois, tu n'as pas joué. Parce que tu as eu un problème au pied, à ton avis. À ton avis. C'est l'embuscade. C'est le guet-apens, c'est le setup. Dans quelques mois, tu vas dire, bon, autant mieux qu'elle laisse me concentrer plutôt sur... C'est comme ça que c'est fini, hein. C'est fini, hein. Ton rêve de footballeur ou rêve de... Combien de vos enfants sont là fracturés? Ce sont les attaques. Et c'est que vous êtes les mères simpletons là. Tu es là, ça, tu es bête. Ah, il s'est seulement fracturé, tu sais. C'est la puberté qui le dérange. C'est la puberté. C'est pour ça qu'il n'étudie plus. Hein? Non, c'est pour ça qu'il n'étudie plus. Tu pries pour ton enfant? Non. Tu dis, non, je n'aime pas. Non. Ton enfant se lave avec le sel? Non, il n'aime pas. Non, moi, j'aime moi les soeurs. Te voilà.
comme ça, là, tu as ouvert tout, tu as donné l'enfant aux gens. Et une dame qui m'a dit l'autre jour, son fils qui a 28 ans, qui fait dans la chanson maintenant, avant ça, son fils voulait faire le football. Quand il avait 12 ou 13 ans, il partait dans les clubs pour jouer. Il est allé un jour jouer au quartier avec les enfants. On dit qu'on ne sait pas pourquoi il est parti là-bas. Ouais, après ton lavage de déblocage, quand tu étudies, tu retiens maintenant. Je vous ai dit le lavage, le 1er avril, on va en faire. Lundi, jeudi, tous les jours dans le mois. Lundi, jeudi, on fait le lavage de déblocage. Et le 1er de chaque mois, on fait le lavage pour le mois, pour bénir votre mois. Vous envoyez votre photo, vous mettez votre nom et votre numéro de téléphone sur la photo, bien sûr, et vous payez les frais. Si tu m'écoutes, tu as l'enfant. Tu n'as jamais donné le sel à l'enfant là de se laver avec. Tu n'as jamais fait une offrande pour cet enfant. Tu n'as jamais donné rien, rien. Ouais. Ouais. L'enfant là va réussir comment? Ses yeux vont s'ouvrir à 45 ans. 45 ans, c'est tard. 45 ans, c'est tard. Une dame m'appelle, ça fait 3 jours. Wow, mon fils, il a tourné dans un film. Le film là passe en avant-première, c'est dans les cinémas. Tu sais, et les gens sont en train de me dire qu'il faut que je fasse attention. Wow, je dis que tu pries. Elle dit, je prie pour mon fils. Que la nuit, je ne dors pas. Que les esprits me reviennent à 3 heures, je prie pour lui, je jeûne, je prie. Et je fais cela avec le sel. Voilà, Marie-Vonne, voilà, il est à la maison maintenant. Voilà, il est blessé tout le temps. Ouais, vraiment. Parce que ce que je vous dis là, vous savez vous-même que je parle ce qu'on me dit de dire. Si ça peut aider un enfant, ça peut sauver la destinée d'un enfant. La dame me dit que son fils, il est sélectionné, il est l'acteur principal d'un grand film qui passe au cinéma actuellement. Que les blancs viennent à elle, donc il a 17 comme ça, 17 ans. Aux environs de 17 ans. Et là, elle m'appelle et panique. Oh, ma reine, je fais comment? Je lui dis, ma chérie. Elle me dit que c'est en novembre ou octobre. Tu m'as donné le truc. J'ai fait, j'ai parlé. Voilà, on l'a sélectionné. Wow, wow. J'ai dit, ok. Tu as peur pourquoi? Premièrement, comprenez que vos enfants, l'enfant que tu as, tu es seulement gardienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas menacer les enfants des gens. Si tu vois quelque chose qui peut aider l'enfant de quelqu'un à s'améliorer, montre-lui. Oui, tu mets en pratique mes conseils. Toi, quand tu vas voir tes choses avancer, non? Je lui dis que le fait que tu te lèves la nuit, tu pries sur l'enfant là. Les ancêtres sont derrière toi. Ils te donnent la grâce, la force. Ne simplifiez pas. Mais il y a les choses que vous devez faire. Lave ta nièce avec le sel d'abord. Quand tu es appelé à être gardienne de l'enfant, il faut maintenant comprendre que ton premier devoir, c'est de ne pas frustrer cet enfant. Que beaucoup d'entre vous, là, les parents, vous frustrez les enfants, malheureusement. Il y a beaucoup de vos enfants là que il faut même 6 mois de lavage. Je vous dis, moi, l'enfant est ressuscité de parler même plus.
Il est quitté, pas, il fait même 3 mois, il ne t'appelle plus. Qu'on a manipulé à distance. Ne frustrez pas les dons de vos enfants. Beaucoup d'entre vos enfants, maman, je veux faire dans la musique. Tu sais, ma chérie, sors l'argent. Pars chercher un studio. Produis l'enfant là. N'attends pas que l'enfant ait 15 ans ou 20 ans. À 8 ans. À 8 ans, tu peux produire ton enfant. Deuxième des choses, lancez la poule au village pour votre enfant. Ceux qui n'ont personne au village qui peut faire ça, contactez-moi, je peux lancer la poule pour vous. Cherchez votre lieu sacré dans votre village, lancez la poule là-bas pour l'enfant. Et quand on lance la poule, vous n'avez pas besoin que l'enfant soit là physiquement. Ça ouvre les portes de l'enfant. Dans la Bible, quand Jésus est entré pour se baptiser, la Bible dit que il a donc d'abord Jean-Baptiste lui a fait le lavage. C'est ça que vous appelez ça le baptême. Jean-Baptiste. A lavé Jésus d'abord. Marie de nuit, généralement, c'est dans les fondations. Mais... Je vous ai dit pour le lavage. Envoyez la photo de vous, photo de l'enfant, le portrait, le visage, avec le nom. Il y a les numéros en haut de ce direct. Maintenant, vous devez vous asseoir pour voir ce que vous voulez pour votre enfant aussi. Parce que je m'accorde sur la base de votre foi. Voilà, même les représentantes peuvent vous aider. C'est même mieux pas les représentantes. Parce qu'elle va s'assurer que ton lavage a été fait. Donc j'ai dit, première chose, ne frustrez pas l'enfant, je vous en prie. Après, j'ai dit, lancez la poule. Faites un lavage au moins une fois par mois, d'abord, pour le commencement. Allez donner, faites des dons dans un orphelinat au nom de votre enfant. Vous m'entendez, non? Si l'enfant refuse de se laver avec le sel, achète le gel douche. Toi qui achètes le gel douche à la maison, non. Prends, tu grabes, tu écrases le sel bien même. Tu ouvres le gel douche là, tu ouvres. Tu verses d'abord dans l'assiette. Tu prends le sel, tu écrases jusqu'à ce que ça en poudre. Tu verses dans son gel douche. Tu prends la cuillère en tournant, tu dis le son 35 sur ça et le son 91. Je viens de débloquer l'enfant ici. Je le libère de tout ce qui manipule sa volonté. Tout contrôle à distance sur mon enfant. Toute mauvaise compagnie. Tu finis, tu remets dans la boîte de Dove ou de Nivea là, tu remets dedans. Tu nettoies bien, tu fermes, tu pas déposer à la douche. On a même les savons spirituels. Tu prends le savon, tu déposes à la douche, tu enlèves le sachet sur ça. Ta prière là va porter sur ton enfant. Dans la Bible, les gens venaient à Jésus, que Jésus sauve mon enfant. Jésus dit que rentre, ton enfant est guéri. Vous me suivez bien? Quand l'enfant ne saute pas à l'école, oui, je suis la marraine d'un orphelinat. Donc, quand vous faites le don, dites juste que c'est pour l'orphelinat. Ça s'appelle Orphelinat Cœur de Jésus, à Bangui, ici à Douala. Quand l'enfant sort de la maison, pas dans sa chambre, tu prends les enfants, tu boules dans sa chambre. Parce qu'il y en a parmi vos enfants là, que leur père, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi l'esprit du père de l'enfant là, dans ton enfant. Les malédictions du père aussi. Donc si toi tu te débloques, tu enlèves pour ton père et pour ta mère, quand tu vas faire pour ton enfant, tu vas faire pour ton père, pour son père et toi. Que tout mauvais esprit que j'ai passé à mon enfant, je l'en libère. Tu constates, si tu es la mère, tu parles, tu touches ton nombril. Que l'enfant que j'ai porté dans mon ventre, c'est là. Je te détache. Il y a les gens qui font le kit de fondation. Tu peux faire le kit de fondation pour ton enfant aussi. Donc tu enlèves, tu déracines les fondations négatives sur ton enfant. Tu jeûnes. Tu appelles le nom de ton enfant. On a une dame, elle est en France, dans la ville de Nice. On faisait encore très fort les prières là. Je n'ai plus le temps le matin pour faire les prières, vraiment. Donc, la dame me dit, elle ne sait pas pourquoi, hier soir,
Elle a eu l'envie de prier. C'était à 6 heures, on faisait la prière du matin. Elle dit donc qu'elle a eu l'envie, une envie intense de prier pour son enfant la veille. Elle a pris la photo de l'enfant, elle a allumé sa bougie, elle a parlé, elle a pris le bâton de commandement, elle a parlé sur l'enfant, parlé. Donc elle nous racontait ça le matin, elle se disait, bon, je ne sais pas pourquoi, j'ai une très forte envie de prier pour lui. Je suis même partie dans sa chambre, j'ai prié dans sa chambre, sur ses habits. Ok. 12 heures avant le message. Hey! Je suis restée ici, comme je vous ai parlé, à 6 heures, à 10 heures, la police arrive. Madame, on cherche votre fils, on donne son nom. Oui, il était impliqué dans un trafic de drogue hier soir. Donc la nuit, comme elle avait l'envie de prier là, qu'il y avait les attaques qui venaient derrière sur son fils. On l'a vu, il était présent sur les lieux. On l'a aperçu sur la caméra. D'un endroit où il y a eu un trafic de stupéfiants. Vous devez être sensible dans le monde de l'esprit pour votre enfant. Écoutez, ce n'est pas seulement acheter la chaussure à l'enfant qui va faire que ton enfant va réussir. Oh, je t'ai acheté la nouvelle Air Max. Je t'ai acheté la nouvelle ceci. Ce n'est pas ça seulement. Tu habilles ton enfant physiquement. Tu t'occupes du spirituel de ton enfant. Il y a des hommes, tu vas le voir 30, 40 ans. Quand sa mère meurt, il chute. Parce que c'est sa mère qui s'occupait de lui. Elle me dit que tu sais quoi, ils sont venus ici. Ils ont pris l'enfant. Le même jour là encore, on a engagé le jeune. Elle a pris l'offrande, elle a déposé l'offrande. Le Seigneur est pour la libération de mon fils. 12h00, on a engagé les prières de libération. Chaque adabarababa. Je crois que le lendemain, on l'a libéré. Après les enquêtes, il est passé devant le procureur. On a dit, ouais, exceptionnellement, on te laisse partir, gna gna gna, parce qu'il devait revenir dans 4 mois pour être, pour passer pour le truc. Et là, en lui posant les questions, elle me dit que, autour de cet âge, le père de son fils avait fait la prison dans son pays d'origine. Vous comprenez bien? Elle n'a pas fait la prison. Mais le père de son enfant, ils sont plus ensemble. Le père de son enfant, quand il avait la vingtaine comme l'enfant là, vers l'âge là, il avait fait la prison. Donc cet esprit était venu réclamer encore l'enfant. Elle s'amusait comme les blagues, son enfant partait en prison. Il y en a parmi vous me contacter que l'enfant est déjà en prison. Que voilà, une m'a contacté l'autre jour et me dit voilà, il était avec une de ses amies, il croyait qu'elle était majeure, ils ont couché ensemble, après le parti dit qu'il a violé, un truc comme ça. Le voilà en prison pour viol. Lui-même jeune, c'est avant qu'il était adulte. Il a passé 18 ans. Ne blaguez pas avec vos enfants. Le diable est après la destinée de ton enfant. J'ai une dame qui était venue ici une fois pour un lavage. Je fais, je mets le lavage, tac. L'esprit qui est en elle commence à manifester. L'esprit a dit que ta mère voulait nous défier. On s'est occupé d'elle. Elle croyait qu'elle était trop forte. On l'a tuée. On a séché son corps. On lui a lancé le sida. C'est l'esprit qui parle. Oh. On l'a tuée. Maintenant, toi, on t'a déjà bloqué, fatigué. On a fait de telle façon qu'un homme vient dans ta vie. Il ne peut pas. Dès qu'il commence avec ton salaire, il va chuter. C'est bien qu'il va partir. C'est qu'il va partir que son argent va remonter. Voilà, ton fils qui a dit qu'il veut partir, il veut partir en Europe. On l'a bloqué là-bas au Maroc. L'esprit dit, on l'a bloqué. Il dit qu'il va aller aider sa mère. Il ne va pas t'aider. Certains de vos enfants sont bloqués parce qu'ils ont... Le diable, c'est que si ton enfant réussit, mof, tu seras en haut. Si ton enfant a 1 million, il va te donner 500 000. Certains d'entre vous connaissez comment vos fils vous aiment. Vous connaissez. Ton fils qui veut que dormir avec toi. Maman, je peux dormir avec toi? Tu le cherches dans ta chambre, n'importe combien que là. Les gens la connaissent que si ton enfant a la jambe demain, et il y en a parmi vous, vos enfants sont beaux. Oh, souvent, tu regardes ton fils comme ça, tu dis que, yay, que moi-même, là, il faut que j'épouse mon fils, il est trop beau. Ils viennent, ils mettent les problèmes. Ils deviennent têtus, ils se retrouvent avec les gens d'amis qui l'influencent.
Tu parles, il ne comprend plus. Mof, midé. Souvent, tu le forces, tu peux pas le lavage, tu parles sur ça, tu l'appelles, tu le déshabilles. C'est ton fils, non? Tu la sortes là-bas, tu le laves. Tu le laves, tu parles sur lui. Parce que quand les esprits là viennent pour influencer ton enfant, lui-même, à l'intérieur de lui, il se sent tiraillé. Tu parles, genre, oh, oh. Ce n'est pas lui qui fait les oh là, ce n'est pas lui. Vous allez voir le comportement de certains de vos enfants. Après, commence à marcher avec un genre d'amis. Les amis qui ont les mauvais esprits en eux là. Ton enfant commence à fumer. Il commence à boire. Check la vie de son père. Tu vois que dans la période là, ton père a connu le même problème là. Tu dois attaquer les démons là dans la vie de ton enfant. Il y a les produits de le kit déblocage. Je dis que j'ai commencé, j'ai fait le kit déblocage plus plus. Là-bas, il y a les produits de désenvoûtement pour vraiment. Certains d'entre vous, vos enfants sont accro à la masturbation. Certains de vos enfants sont vraiment. Il y a des choses qui font que vraiment vous ne comprenez pas. Donc, ce kit a été conçu vraiment pour aider l'enfant. Et vous-même aussi, hein, toi-même qui parle là, qui fait. Parce que quand tu te désenvoûtes, c'est avant tout qui te déraille ton enfant. Ça te libère, ça libère l'enfant. Il y a les kits fondation. Faites votre travail. Dans la chambre de l'enfant, tu pries, tu parles au béni, tu asperges sur ses murs, tu parles là-bas, tu lis les psaumes, tu commandes à tout homme fort qui atteint dans la vie de ton enfant de sortir. En préparant sa nourriture, tu pries sur sa nourriture. Le diable est dehors pour manipuler. Il sort pour manipuler vos enfants. Hein. Le diable sort manipuler ton enfant. Tu sors comme ça là. C'est quoi ça? Et les qualités, quand copine alors, c'est grave. Il y a les femmes qui partent pratiquer pour que ton fils puisse sortir avec ton enfant. Je vais vous ouvrir l'esprit aux possibilités, tout ce qui attend votre enfant là dehors. Maintenant, armez-vous. Apprends à ton enfant à se laver avec son sel. Apprends à ton enfant à utiliser son jujube. Apprends à ton enfant à prier. Apprends-lui à lire la Bible. Amène-le à l'église. Tu ne l'amènes pas, mets-le dans les enseignements, tu expliques. Quand toi-même tu es en train de lire, même les directives, c'est un de vos enfants, vous regardez avec les enfants, non? Maman, on ne se lave pas au sel ce soir? Maman, on a oublié de se laver avec le sel? Maman, lève-toi, 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 on a d'abord son enfant avant de dormir. Il y en a qui me disent souvent que l'enfant, mon enfant aime jusqu'à, il aime se laver le sel jusqu'à, il dit que c'est bon jusqu'à. Tu es en train de donner les armes qui vont aider ton enfant, même quand tu ne seras pas là. Bon, certains vous m'écoutez, c'est un peu, tu peux dire que c'est déjà tellement avancé. Il est marié avec une femme ticone, il est dans un boulot ticone, tout ça, ces choses ne marchent pas. Toi d'abord, toi qui m'écoutes la mère là, travaille d'abord sur toi d'abord. Parce qu'il y a les choses qui t'ont bloqué. Pour que tu ne te rendes même pas compte que ton enfant était bloqué. Paye les lavages. Prends l'argent de ton enfant, tu payes son lavage avec. Invente un trou, il me faut l'argent, fais tes choses. Va travailler sur lui. Fané. Et conduisez vos enfants par l'exemple. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous ne dites pas et ne faites pas la même chose. Tu ne fais pas ce que tu dis. Tu ne fais pas ce que tu dis. Ton enfant voit, il connaît que maman ment. Maman me ment, elle ment à son gars, elle ment à tout le monde. Quand tu vas parler, ta parole n'aura pas le poids devant ton enfant. Et respectez vos enfants, s'il vous plaît. Et aidez votre enfant à avoir la vision. Parce que quand l'enfant est encore jeune, il rêve grand. Ne viens pas gâter la vision de l'enfant. Ah, tu as vu quelqu'un d'autre famille qui fait ça. Ah, pardon, laisse-moi tout ça. Non. Je suis immigré ici. J'ai fait 20 ans avant d'avoir les papiers. Oui. Maintenant, toi, tu as les papiers.
tu vas devenir président de la République. Parlez des grandes choses sur vos enfants. Tu mets le don dans ta bouche, tu marches ça le matin, tu parles sur ton enfant. Pas même dans sa chambre. Tu parles, tu prends le jujube, tu parles, tu marches, tu parles, tu essuies son visage. Vos bébés qui sont encore tout petits, là, vous mettez un peu dans la bouche de l'enfant. Tu marches d'abord bien, après tu mets un peu dans la bouche de l'enfant. Souvent tu marches même comme ça, là, tu mets un peu l'huile sur ça. Pour oindre, lui pour se oindre là, non. Tu marches le don là, après tu oindres l'enfant avec. Tu marches le jujube, tu oindres l'enfant avec. En parlant. Le don, le jujube. Voilà le jujube. Le jujube est comme ça. Le don, est-ce que j'en ai ici? Je n'ai que les jujubes. Voilà les jujubes. On ouvre le jujube derrière. Donc tu mets derrière ça, tu ouvres. On n'ouvre pas par devant. Et pour donner le jujube à quelqu'un, tu lances au sol. Ne tends pas dans sa main comme ça. Tu lances au sol, il ramasse. Vous avez suivi, non? Bon, mon Facebook n'affiche pas les commentaires. Donc, s'il y a les Decepticons qui ont commenté, on va vous supprimer plus tard. Et moi dit, dès que je mets, je tombe sur les Decepticons. Payez aussi pour les lavages de vos enfants. Si vous avez d'autres endroits où vous partez vous faire soigner souvent vous-même, amenez aussi vos enfants là-bas, on les soigne. Je vous en prie. Donnez les chances à vos enfants, s'il vous plaît. Priez pour vos enfants. Demandez les messes d'action de grâce pour les enfants. Vous pouvez demander la messe d'action de grâce pour l'enfant. Généralement, vous pouvez faire 7 grains. 7 grains. Tu demandes à l'église de messe d'action de grâce pour la purification de l'âme de... Tu dis le nom de ton enfant. Tu vas aller faire des sacrifices. Tu fais des sacrifices sur la tête de ton enfant. C'est dans la Bible. Abraham partait faire des sacrifices avec Isaac. Il lui montrait comment on fait. David montra à Salomon, si bien que dans un roi chapitre 3, la Bible dit que Salomon suivait les coutumes de son père David. Il partait offrir sur les hauts lieux. En ouvrant le jujube par derrière, tu médites. Tu médites. Genre, ok, si je veux prendre le jujube, si je veux ouvrir. Le jujube, si ça désenvoûte, ça chasse un mauvais esprit. Nos ancêtres nous ont toujours laissé les armes. Il y a le jujube, il y a le faucon, l'arbre de paix. Donc, tu prends peut-être ça là maintenant, c'est pour mettre la paix. Même le don, quand tu veux le don. Ça, c'est pour la paix, la restauration de la paix. La paix dans ma famille. Protection de mon enfant. Tu médites ça dans ton cœur. Tu casses la tête, c'est là. Maintenant, tu me remets devant toi, tu ouvres tout. Tu prends les graines qu'il te faut, tu comptes. Généralement, les chiffres 3, 7. Ok, bon. Merci pour les partages. Ceux qui ont partagé ma vidéo, merci. Je bénis vos enfants. Comme vous avez partagé ma vidéo là, je bénis vos enfants. Pour les Decepticons là, je vous bénis aussi. Oui, Fatim, je crois qu'on va t'envoyer un paquet prochainement. Donc, tu peux demander. Vous pouvez demander qu'on vous mette ça. On met le jus. Le jus et le don, on vous met ça. Vous voyez. Bon. Le jujube est sucré, le don pique. Ça, c'est sucré, c'est bon. Le don, il est court et rond et ça pique. Ça pique dans la bouche comme le piment.
Ça reçoit le pouvoir de la langue. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, ok? Bye bye.